Bonjour, je m'appelle Guy Levac, si vous ne me connaissez pas, je suis président du Home Familial Bruxellois depuis 30 ans, donc je connais relativement bien l'histoire du Home Familial Bruxellois. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les valeurs qui ont toujours animé les fondateurs de la société Home Familial Bruxellois et le successeur, ceux du Home Familial, donc Familial du Brabant et puis Home Familial Bruxellois? C'est la solidarité entre les gens, la convivialité, la prise de responsabilisation, l'autonomie et la participation. C'est ainsi que nous avons toujours voulu qu'aux assemblées générales, les locataires soient le plus nombreux possible, parce que c'est eux qui décident qui les représentera au conseil d'administration. C'est eux qui décident des grandes orientations de la société. C'est vrai qu'au fil des ans, les locataires ont eu tendance à déléguer tout leur pouvoir au conseil d'administration, mais à certains moments, ils reposent des questions fondamentales qui obligent le conseil d'administration à se remettre en cause et à s'expliquer. Ça, c'est l'esprit. D'ailleurs, dans le conseil d'administration, maintenant, il y a une majorité de locataires qui sont représentés et quelques représentants des fondateurs, essentiellement des anciens membres de la Ligue des Familles. Dans la société Comencia qui se crée, nous voulons garder les mêmes valeurs. D'ailleurs, Assam, la société qui nous absorbe avec la cité moderne, s'est transformée en coopérative de locataires pour que survivent ces valeurs de participation. Et nous avons aussi voulu garder la proximité avec les locataires qui est essentielle en créant des antennes de quartier, c'est-à-dire les pôles de proximité. Ça, c'est pour que les locataires ne doivent pas venir au siège central qui sera installé à Molenbeek, mais ils pourront faire toutes leurs démarches administratives auprès du pôle de proximité. D'un autre côté, les locataires, mais ça je crois que Pierre Arcoux le développera, pourront participer à la dimension du quartier au comité de gestion locale. Je laisse Pierre Arcoux définir l'esprit de ces comités de gestion locale. Bonjour Pierre, pouvez-vous nous présenter les COGELO? Bien, les COGELO, c'est un objectif très important de notre nouvelle société coopérative de locataires, Comencia, qui, comme vous le savez, va regrouper les sociétés Assam, le Home Familial Bruxellois et la Cité Moderne pour constituer un pot de 3200 logements répartis dans toute la région. L'originalité, c'est une société coopérative de locataires et donc les locataires sont associés à la gestion de l'entreprise, à la gestion de la société de logement. Les utilisateurs ont leur mot à dire dans notre gestion. Pour y arriver, on a créé des COGELO, des comités de gestion locale, qui se réuniront périodiquement et qui rassembleront autour de la table la direction générale de la société, les locataires, les membres du COGELO. Objectif: traiter toutes les questions de proximité qui concernent la vie au quotidien de nos coopérateurs locataires. Qui sera représenté au présent dans les COGELO? Eh bien, comme je viens de l'évoquer, on aura des membres de droit qui sont la direction générale de la société, la direction de proximité. Aussi, à la carte, on aura des techniciens qui viendront expliquer les dossiers ou entendre les avis des coopérateurs locataires. On aura les membres du COGELO, bien sûr, conseil consultatif des locataires, des administrateurs locaux, s'il y en a qui sont élus, et aussi des locataires freelance, c'est-à-dire des gens qui auront été élus par leur pair pour les représenter dans ce groupe de travail. À quelle fréquence les COGELO se réuniront? Bien, donc on aura au niveau du nombre de COGELO pour tout Comencia, on partira avec en principe 6 COGELO, donc répartis dans les sites les plus importants. Nous pensons à une fréquence de réunion de tous les 2 mois.
ce qui permet alors de traiter les dossiers, de les examiner et que l'administration puisse aussi arriver avec des propositions de réponse vis-à-vis des locataires, que ça puisse aussi passer par la direction générale et le conseil d'administration de Comensia. Pouvez-vous nous faire la présentation de la transition home familiale bruxelloise vers Comensia? Voilà, donc la première étape, c'est l'Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 23 septembre. Et donc là, elle va finaliser les accords et permettre la fusion effective du home familial bruxellois avec Assam Comensia. Dans la foulée, on déménagera nos bureaux, donc à partir du 28 septembre, on va les installer sur le siège, au siège social, c'est-à-dire au site Lavoisier à Molenbeek. Donc là, c'est les bureaux, l'administration principale du home familial bruxellois qui déménage. Mais nous gardons bien sûr, et ça c'est l'avantage du home familial bruxellois, c'est que nous avons déjà aujourd'hui trois pôles de proximité qui fonctionnent à Evere, Laeken et Neder-Overijssel. Et donc il n'y aura pas de rupture au niveau du service pour les coopérateurs locataires. Et au quotidien, quels seront les interlocuteurs auxquels auront accès les locataires coopérateurs? Est-ce qu'ils pourront encore, comme ça se fait aujourd'hui, venir sonner ici en bas, téléphoner Oui, effectivement. Donc il y aura quelques changements. Par exemple, au niveau technique, on aura une help desk technique qui va capter un certain nombre de demandes. Mais nous invitons fortement les coopérateurs locataires à se rendre dans ce que nous appelons aussi les pôles de proximité. C'est-à-dire que Comensia a également instauré des services décentralisés, une forme d'antenne sociale, antenne administrative décentralisée dans les quartiers auxquels les coopérateurs locataires peuvent se rendre pour tout ce qui fait leur relation habituelle entre un locataire et un bailleur social. Les candidats, eux, devront se rendre au siège à Molenbeek, mais pour les coopérateurs locataires, ils pourront toujours venir au pôle de proximité, puisque dans notre home familial bruxellois, ces pôles fonctionnent déjà, et donc ils continueront à fonctionner. Il y aura peut-être quelques adaptations au niveau des horaires de permanence, mais ça sera communiqué à nos coopérateurs. Bonjour, je m'appelle Glyn Davis, directeur des pôles de proximité home familial bruxellois. Alors, la question est posée, que sont les pôles de proximité? Un aspect important des pôles de proximité, c'est une certaine convivialité, puisque lorsque le locataire se rend dans son pôle respectif, il a le temps de se poser, ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait face à une personne derrière un guichet ou lorsque il est entendu par un tas de monde juste derrière lui. Donc dans les pôles, le locataire vient, il se pose, il s'assied, on ferme la porte et on l'écoute. C'est souvent l'occasion d'échanger sur un tas de choses que le locataire n'avait pas prévu de porter la discussion. Et cela permet un approfondissement des rapports entre la société et ses locataires. Ce moment est souvent fort apprécié par les personnes un peu seules. Alors, le pôle de proximité, c'est aussi ça, c'est savoir prendre le temps d'écouter le locataire. Et un petit peu plus. Donc, s'il a des histoires à raconter, des choses qu'il veut dire, des choses qu'il veut partager, eh bien, c'est d'aller jusqu'au bout dans l'écoute et là aussi de lui accorder toute l'attention dont il a besoin. Sur le plan social, les coopérateurs locataires pourront aussi obtenir des rendez-vous, par exemple, avec une assistante sociale, mais sur place, sans devoir se déplacer à Molenbeek, où sera le siège social de Comensia.